Nous, on a toujours fustigé les terres au niveau du Fouladou. Dans l'arrondissement de Pakour, et précisément dans la commune de Pakour, il y a 1000 hectares qui a été octroyé à un promoteur. Et ce même promoteur a plus de 600 hectares dans le Ouassadou. Et aujourd'hui, d'après certaines rumeurs, il y a le projet Sénéguindian. Des gens même ont été sur le terrain. Il y a eu des visites en bande. D'où il y en a même pas, ce n'est même pas un seul maire du département, mais il y a eu des maires aussi de la région. On a eu 3 maires qui ont visité le site de Mbane en partenariat avec ce projet, qui veulent, d'après certains gens, veulent plus de 18 000 hectares dans l'arrondissement de Pakour et plus précisément dans la commune de Ouassadou. Donc, Seykou Mbalo, pour alerter sur cette situation, vu qu'il a été emporté aussi par l'émotion, il a dénoncé le fait de vouloir octroyer 18 000 hectares, étant donné qu'il y a eu un promoteur qui a eu déjà 700 hectares dans cette même commune. C'est dans sa communication qu'il a pu vraiment un peu déborder. On comprend que peut-être c'était avec l'émotion, mais vu la forme, on peut laisser passer, mais le fond, le contenu, le fait qu'il alertait aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, on a vu que ce qu'il alertait, on a vu que c'est vrai. C'est pourquoi aujourd'hui, s'il est arrêté, nous, en tant que membres de la société civile du département de Velingara, nous devons faire tout pour que ce jeune-là soit libéré. Parce qu'aujourd'hui aussi, c'est une manière d'intimider les jeunes pour vraiment leur menacer, leur dire que carrément leurs projets vont passer. Nous, à notre niveau, nous n'allons pas accepter cela. Déjà, il y a plus de 3000 hectares dans le département de Velingara, en prenant Bonkonto, Sintiankundara, et Pakour, Ouassadou, et juste aussi prendre un autre promoteur, vouloir lui octroyer plus de 18 000 hectares dans ce même département, ça ne passera pas. Aujourd'hui, nous allons alerter aussi le niveau national et international que quand nous demandons immédiatement la libération de Seykou sans délai et sans condition. Il a été convoqué le 26 juin passé. Malheureusement, les concernés n'étaient pas présents. Demain, on doit le recevoir au niveau du tribunal de Kolda. Nous attendons carrément ces gens-là qu'ils puissent répondre, que les gens s'expliquent qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et maintenant, s'ils continuent dans cette même lancée, nous allons se rendre à Ouassadou, organiser une forte mobilisation. Toute la population va sortir parce que tout le monde est frustré vu ce qui se passe dans le Ouassadou. Et si cela continue ainsi, on a peur que des dégâts y arrivent après. Problème foncier, fils du département de Velingara de Fadjegui Dayo. Je suis le président de la République. Je suis le président Bassir Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Nous savons que nous avons fait ce qui est les priorités, nous savons que nous sommes dans le monde rural. Nous savons que nous sommes dans le monde. Ba légui ken déggu len ci li xew fils département de Velingara. Récemment gis nañu le premier ministre Ousmane Sonko dalal na wa Nengler be dafa melni ñom sa délo nañ len sen souf ci té ñom luñ fa joxé won mutul won 500 hectares té fils département de Velingara gis nañ ci ben nit kessé jox nañ ko fi plus de 3000 hectares té ba légui du sen communiqué du sen audience buñu jaglél population département de Velingara légui nak man may laaj est-ce que ñom Velingara dafa bokul ci sen plan de développement en ce qui concerne notre frère Seykou Oumar Mbalo. Ñun contenu bi lañuy jox importance tay ji ni bu nekul won Cheikh Oumar Mbalo projet bi fekke jallna parce que nak 18 000 hectares dafa bari si population bu nga xamanteni ñom amuñu dara luñuy dund luddul bay ak sam les ko bu joge di alerter population am ba mu defal ci ay erreur de communication bla ñu koy japp nañ ko wo. Nous avons vraiment nous avons dit que nous avons une collectivité locale. Nous avons dit que mais nous avons dit que nous à la prison. Nous avons audience que nous avons dit nous avons dit nous avons dit ils ont des intentions cachées parce que ça va être un cas de prison pour nous intimider. Nous avons dit que nous avons
Légui nak ñom ñu xam ce n'est plus une question de Cheikh Omar.